Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2019 pour notre série 100% Fent. Et je vous annonce que c'est la 10e vidéo. Qui dit la 10e vidéo, sur cette série dit la fin de cette vidéo. Et pourquoi pas finir en beauté par nourrir les animaux. Donc, comment on va faire les moutons? Bah, comme promis, il y aura des moutons. Donc, on va aller dans le tracteur et je vais vous présenter pas mal de. Matériel, donc on va charger. Voilà, on va charger. Alors, faut que je retrouve les animaux. Ça c'est les vaches, ça c'est les moutons. De toute façon, c'est les derniers qu'il fallait que je prenne. Voilà, et je confirme l'achat. Donc voilà. Bon, je vais vous remettre la télé vache. Et voilà. Alors, j'espère que le son est pas trop fort. Bon, pour l'instant, pour moi, ça va. Alors, désolé des petits coups de lag. Des petits ralentissements. Oula. Même le jeu veut vous dire que c'est la fin. Donc, dans mon vidéo, j'ai vendu presque tous les champs. Le champ d'herbe, il est vendu. Mais il y a d'autres champs que j'ai pas pu vendre. J'ai fini de moissonner tout ce que j'ai pu. Désolé, hein. Si tu veux bien. Merci. Donc, pendant que quand il va revenir, ça sera bien. Oula. C'est bon. Non. Non. Ok, j'ai reculé la caméra. Alors désolé des bugs de son, etc. Alors, merci jeu que tu veux dire que c'est la fin. Mais résiste un peu et reviens ici. Donc, je ne vous avais pas présenté, mais la remorque derrière, c'est donc la remorque de Simulator Games. Donc c'est la bétaillère que j'adore. Il y en avait une, c'était une Bruno, je crois. Oui les animaux, on va pailler. Alors oui, on peut pailler les moutons. Pour ceux qui savent. Donc N. Puis voilà. Donc je peux ouvrir comme ça. Pim. Toc. Et il faut que je descende. Merci de pas laguer, ça fait cool. Merci. Désolé de ce bruit. Alors, on va faire cette activité. Ah bah. Ça commence bien par un petit fail. Non, c'est X. Et voilà, donc elle se déplie avec X. Avec clic droit, vous pouvez rallonger les machins. Donc voilà, elle s'ouvre, elle se dévache. Hop. Si tu peux me ramener au jeu, ça serait cool. Donc maman, on a une vingtaine. Non. Ah. Qu'est-ce qu'il est con ce trigger? Non. Il a pas capté la bétaillère. Ça commence bien. Là, il a capté la bétaillère. Et voilà, donc si je fais Alt S, normalement, on devrait avoir dans animaux nos 20 moutons. Alors il nous faut de l'eau, de la paille et de l'herbe.
J'en ai d'herbe, de la paille, j'ai dû en racheter parce que en off, quand j'ai dû faire les bottes, donc des bottes de paille, voilà. Quand j'ai fait les bottes de paille, quand j'ai fait les bottes de paille, j'ai pu en faire qu'une seule. Du coup, j'en ai racheté quelques-unes pour aujourd'hui. Et comme vous voyez, je vais vous montrer un petit peu ça. Voilà. Voilà, j'ai comme il faut. Merci de mes photos de pommes de me faire oublier. Déjà, il faut machiner. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu le matériel le temps que on va laisser le tracteur tourner. Donc, vous voyez, j'ai fait une botte de paille. Du coup, j'en ai racheté 4. Voilà. Pour pailler, maintenant ça ne demandera pas beaucoup en climat saison. Et voici tous nos stocks d'herbes. J'en avais fait pas mal, comme je l'avais dit, un enrubanné et tout. Heureusement que j'ai fait, heureusement que ça va me suffire pour les vaches, pour les moutons, parce qu'on va faire que les moutons, pas les cochons. Donc je vous présente pas le T6 avec la masse, d'accord. Donc la Bruno, je vous la mettrai sur le site, d'accord. Pas la Bruno, la Safari. Si, c'est la Bruno, c'est la Bruno. L'autre, c'est, je sais plus ce que c'était. Je sais plus ce que c'était comme, mais c'était la même couleur. Mais je préfère celle-ci, elle est mieux. Donc, je vous présente pas la presse, ni l'indéneur, ni la faucheuse, d'accord? Vous l'avez déjà vu. Ici, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien, rien. On fait vite hein, la présentation. Je vous présente pas la charrue, je vous présente pas le décompacteur ou je sais plus ce que c'était, mais le franquet, voilà. Je vous présente pas non plus le semoir, je vous présente pas la moissonneuse, hein, vous avez vu sur l'épisode d'avant. Parce que tout ça que je vous dis que je vous la présente pas, c'est que vous avez déjà vu sur une autre série. Ça aussi, alors j'ai pris que maintenant les photos, mais vous inquiétez pas, les photos seront en avance comme la vidéo n'est pas tourné, le montage était fait, etc. Vous inquiétez pas, mais j'ai pas fait l'encodage. Donc voilà, je vous présente pas le T7 avec la remorque. Donc pareil, j'ai fait pareil. Donc voilà, je vous présente pas. Et donc on va pailler avec ça. Alors malheureusement, elle ne se baisse pas. Il faut faire CTRL V ou si vous avez une touche assignée pour baisser tous les outils, c'est avec cette touche qu'elle se baisse. Voilà. Donc je vous présente pas le Manitou, je pense pas que vous l'avez vu, mais voilà le petit Manitou 7.42 avec fourche à palette pour la laine et fourche à botte pour mettre pour les bottes. Hein. Je vous présente pas non plus le T5 avec... Ah non, c'est une voiture, j'ai cru que c'était mon T5 qui tournait, je vais what. Avec le pulvé. Pareil derrière, ce sera une vidéo, je sais pas courte. Et la jauge 15, c'est celle de base. Donc vous aurez en mode donc les deux remorques qui seront déjà sorties sur le site, d'accord, dans la gestion mode farming. Et dès que la vidéo sortira, ou de toute façon ils seront mis avant, vous aurez la petite bétaillère. Voili voilou. Donc nous, bim, on va prendre. Alors j'espère qu'elle fonctionne la pailleuse, sinon on fera nous-mêmes. Je voulais pas la tester, mais c'est une pailleuse, je dis je vais la prendre. J'ai pas mis, alors j'ai pas activé celle de 76 max, ou il y en a deux je crois. Du coup je les ai pas mis. Donc du coup voilà. Donc de toute façon les... Ah mais... Ah bah. Moi, pour ce qu'il est fait... Mais non, mais tu... Tu vas avancer, sale prix. De toute façon, c'est une partie où je vais qui va être supprimée. Si elle veut bien. Voilà.
J'espère qu'il n'y a pas de bug. J'espère. J'espère qu'il n'y a pas de bug. Alors, je sais pas ce qui se passe. Désolé hein, si ça fige. J'espère que vous m'entendez. J'espère que ça n'a pas planté. Bon. Bon. Donc ce qu'on va faire, si vous m'entendez toujours, j'espère que ça n'a pas bugué rien. On va faire une petite ellipse. Et on revient dès que ça sera revenu. Allez. Je vous dis à tout de suite. Donc désolé, j'ai eu un plantage de farming. Voilà, un giant a cessé de fonctionner. Je refais comme d'habitude, j'ai rattaché le machin et du coup j'ai pas eu de plantage. Bon, on verra bien. Donc on va prendre le télescope. Hop, on va les nourrir. On va d'abord les payer. Je vois même pas. Ah, il fait un peu de bruit. J'espère que vous m'entendrez. Il fait un joli bruit pour voir. On va mettre la botte. J'espère que ça fonctionne. J'espère que la pailleuse va fonctionner. J'espère aussi que vous m'entendez. Hein, parce que avec les tracteurs, tout ça. J'aurais dû baisser le volume, mais c'est pas grave. Donc pour cette dernière vidéo, je ferai un peu plus de choses. Je modifierai le son. Allez, normalement je pense que c'est ici pour donner à la paille. Merci. Bon, celui-ci. Bon bah ça suffit pour les animaux. Bon bah 2 jours. Bon bah la vidéo va être vite fait hein. Bon ça c'est fait. Alors vous voyez là j'ai élevé avec CTRL V. Là je suis bien CTRL V pour baisser tous mes outils. Voilà, merci. Alors j'ai un vue flexible. Donc elle marche, mais elle se baisse pas avec le V normal si vous êtes sur clavier. Mais elle, CTRL V, oui, marche. Moi je parle clavier. Après, si vous avez configuré ces touches-là, vous savez quelles touches vous avez. Normalement j'avais assez de l'eau, mais sinon, alors l'eau j'ai pas réussi à trouver dans la ferme, les gens, pour ceux qui jouent. Du coup vous allez au poulailler en bas, donc vous suivez la route là, dès qu'on est arrivé nous là, on a tourné à droite. Donc dès que vous sortez, vous voyez, vous passez derrière le bâtiment, vous avez un petit chemin à gauche et vous suivez tout droit et vous avez
une genre de ferme pour les poules, les, oui, les poulets. Oups, c'est quoi ce qui marche ce truc? Je croyais que c'était un bout du machin, un bout de l'auge. J'ai fait. Bah, l'auge est enfoncé dans le sol, il a oublié de le mettre au micro. Désolé, hein, mais bon. J'espère que. Attends, il leur faut de l'eau. Hein. Ils ont de la paille. Alors vous avez aussi, j'ai oublié de vous dire sur, bah, sur le mode saison, vous savez combien ils ont besoin par an. Donc ils ont besoin de 21 000 litres, 21 000 litres 100 en gros, de tout ça. Alors ça va être de tout ça, de la nourriture. J'espère que c'est là. Je sais pas s'il y a un truc de fumier ou de lisier pour les animaux. Cette vidéo va être un peu longue, donc là ça va être pour donner à manger. Pour donner à manger. Alors où je leur donne de l'eau? Donc là voilà, ils ont le pâturage grande. Mon avis, si je peux ouvrir ici, ça veut dire qu'il y a une auge à un endroit. Alors oui. Donc la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue, j'en sais rien combien de minutes on est de vidéo. Là je fais tout le tour pour voir s'il n'y a pas une auge. Non. Non. Non, c'est des barrières. Il n'y a pas d'auge. Bon après c'est loin du machin donc. Ouais. Il n'y a pas d'auge. Où ça va être là-bas, je pense, parce qu'il y a aussi une autre entrée, j'ai vu. Je pense que vous avez peut-être dû le voir dans la vidéo. Donc là, c'est les animaux encore, ils sont là. Regardez s'il n'y a pas une auge ou un truc comme ça qui pourrait faire titre de. Voilà, c'est à voir. Non, vous voyez, mais il y a une auge, il y a un truc ici. Donc il y a peut-être une auge, mais où? C'est toujours complexe. On va trouver. À mon avis, je vais reculer. À mon avis, ça va être au même endroit. Bah, si c'est simple, si j'ai pas de, si je trouve pas le trigger, ils n'auront pas à voir. Bon, ils crèveront, mais de toute façon, la partie sera supprimée. Je sais pas. Y a bien un endroit où on peut donner l'eau. Je suis sûr que vous êtes là, vous avez peut-être trouvé le machin derrière votre ordinateur. Ça va être pour les palettes là, non.
On va laisser comme ça. Et on va les donner à manger. Ouais, je vais en prendre deux, mais à mon avis, il n'y en aura qu'une qui sera prise. Bon, au moins, ils auront à bouffer. Qu'est-ce que c'est là? C'est bizarre. Ça peut être ici, non? C'est quoi ce bordel? C'est bizarre. Pourtant, c'est du foin, les gars. Vous êtes témoins. Alors, ah ben voilà, on a trouvé. Faites voir. Ça va être tout ici, à mon avis. Bon, on va reculer et si on trouve pas, on arrêtera là. Voilà. Quel est l'an? J'ai pas d'insigne, j'ai rien du tout.
Salut! Ouais, ben aussi, hein. T'as soif, hein. Allez, allez, mon grand. Je vais voir si je peux pas le. À mon avis. À mon avis, on va le trouver, hein. Vous inquiétez pas, les gens. À mon avis, il a oublié un endroit. C'est où ça? Bon bah, hein, les gens, je pense que. Hein, vous savez quoi, les gens? Ils n'auront pas d'eau, mais comme c'est la dernière partie. Je vais faire un dernier truc. Est-ce qu'il a pas fait un système à la con? Bon, vous savez quoi, les gens? On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça fait 27 minutes. Ah, je vous dis, quand c'était long, c'était long. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à suivre tout ce qui est dans la description. N'hésitez pas à suivre. Ouais, bah, n'hésitez pas. Je sais pas. Hein, voilà. Tous les modes, tout ça que j'ai utilisé, là, à peu près. Les modes seront mis dans la description. Bon, n'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Et nous, sur ce, on se trouvera peut-être sur de MC 2. Voilà, pour. Voilà, peut-être deux vidéos d'MC 2. Peut-être une vidéo sur la campagne bretonne. Je verrai bien. C'est moi qui fais le planning. Allez, moi je dis bye bye pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis ciao!